Écoutez un rageux, quand il a fini l'aventure et qu'il est enfermé en Europe, écoutez ce qu'il rappelle à ses amis aujourd'hui. Écoutez. Vous n'avez pas envoyé un message. Maintenant, quand l'homme a beau ça, vous voulez m'envoyer le message. Petit frère, vous bloquez même sur Facebook. Après, vous m'avez cherché Facebook, petit frère. Vous tapez sec, petit frère. Si ça t'énerve, petit frère, insulte-moi. Ou bien tu me bloques, petit frère. Mais moi, je vous ai déjà oublié, petit frère. Et j'aime ma vie maintenant. Bon, sur petit frère. Et puis, y'a Baya, petit frère. Et dans l'esprit, petit frère. Vous êtes dans l'esprit avec un œil, petit frère. Wesh. Tôt pas. Un aventurier a le franc parler. Un aventurier ne cache pas, ne passe pas par deux chemins pour te dire ce qu'il ressent. Et un aventurier, ce qu'on développe, en aventure, c'est la loyauté. C'est le one spirit, c'est un seul esprit. Parce que lorsqu'il faut aller au tentement, vous devez être tous unis, vous devez former une seule personne. C'est le one spirit. C'est-à-dire que quand tu es un aventurier, tu sais faire. C'est-à-dire que quand quelqu'un est avec toi, tu es avec lui. Quand quelqu'un n'est pas avec toi, tu n'es pas avec la personne. C'est comme ça. Quand tu es un aventurier, tu ne forces plus les gens. Quand tu as fait l'aventure, tu ne forces pas les faux amis. Tu ne forces pas les fausses relations. Non. Quand ça ne va pas et que tu as montré ta loyauté et que la personne qui est en face de toi n'a pas montré la loyauté, hein, tu ne te casses pas. Ce n'est pas l'aventurier. L'aventurier ne trahit pas. Écoutez-moi très bien. Les femmes qui sont en couple avec les aventuriers, les beaux ailleurs, l'aventurier, c'est quelqu'un qui ne trahit pas. Quand l'aventurier t'a donné sa parole et qu'il dit que je suis avec toi, il est avec toi. C'est ça l'aventurier. Oui. Il dit là, ses amis, que quand j'étais dans la difficulté, vous ne m'avez pas soutenu. Parce que c'est ce qui se passe au fait. La réalité, c'est ça au fait. Quand tu es dans la merde, quand tu es dans en train de vivre des périples de la vie, quand tu es dans les souffrances, les difficultés, les peines, les douleurs, tous ces amis-là ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Tout le monde, on sait ce que tu vis. Et c'est pour ça que tout le monde t'ignore, tout le monde te fuit. Famille comme certaines amis comme famille, c'est comme ça. Tout le monde te fuit. Mais lorsqu'ils apprennent que la souffrance est terminée, tout le monde revient. Les messages par-ci, les messages par-là. Et pourtant, avant, tu ne recevais le message de personne. C'est ça, c'est ça l'hypocrisie humaine. Voilà pourquoi aujourd'hui, on n'a plus peur de dire ce qu'on pense aux gens. Parce qu'on a compris que si on avait perdu notre vie, on allait être mort en ce moment seul. Donc, on s'en fout au fait des personnes à qui ça peut blesser lorsqu'on leur dit ce qu'on a. Et puis, on a sur les lèvres. On s'en fout, on dit. Tu prends ça, tu fais ça, ce que tu veux, on s'en fout complètement. L'aventurier, c'est quelqu'un qui n'a plus peur d'être seul. Parce qu'il a vécu pendant un bon moment tout seul, sans personne. Il faut que vous compreniez bien ça. L'aventurier n'a plus peur. Aujourd'hui, même si tous les êtres humains de la Terre disparaissent, moi, je peux vivre seul, ça ne me dérange pas. C'est ce mental que ce petit frère-là, il a au fait. Et rien que pour ça, je le salue, parce que c'est un soldat. One spirit, mon frère. C'était Bazor. Abonnez-vous pour les nouveaux. On fait ça. Ciao, ciao.